Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter mon point de vue sur le sujet. Acheter des choses en ligne. Avant, je n'aimais pas s'acheter des choses en ligne car je trouvais que l'achat dans des magasins était plus fiable. Cependant, en raison de ce scénario COVID-19 en cours, il m'est difficile de sortir et de magasiner et depuis lors, je m'habitue à acheter des choses en ligne et j'y ai trouvé deux avantages. D'abord, les internautes y trouvent un gain de temps considérable. En fait, au lieu de passer énormément de temps à se rendre dans les magasins, les gens peuvent simplement rester chez eux et choisir ce qu'ils veulent acheter en un clic. Par exemple, tout le monde dans ma famille achète en ligne et chaque personne gagne beaucoup de temps pour travailler, étudier et faire le ménage. Ensuite, Internet offre aux consommateurs un plus grand choix de produits. En fait, il n'y a pas de boutique qui puisse vendre une variété de produits qui répondent à nos besoins, mais les boutiques en ligne le peuvent. Par exemple, le mois dernier, je voulais acheter un pull rouge pour ma mère. J'ai ouvert l'application Lazada et j'ai tapé pull rouge. Et de nombreux types sont apparus pour que je puisse choisir. En bref, même si je sais qu'il y a des inconvénients comme l'insécurité ou les arnaques, je pense que nous n'avons pas de choix pendant cette période. Donc, choisir le site le plus fiable et nous le trouverons utile. Merci de votre attention.